5 tickets, action. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec, bah, devinez quoi, un haul action. Avec plein de choses super sympas. Majoritairement avec plein de déco, hein, comme d'habitude, hein, ne change pas, une équipe qui gagne. Du coup, comme d'habitude, je vous donne les prix, je vous montre tout ça, et puis... Mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? Comment veux-tu voir un ticket, en plus écrit tout petit, avec des lunettes aussi simples? Bon, ben. On voit très bien avec un œil. Et c'est parti. Alors, je vais commencer par... J'ai des petits tickets, hein. Ah, je me suis épatée parce que il y a un ticket, j'ai pris, enfin, pas un article, mais une référence, on va dire. Grandes assiettes, Wild Living, 27 cm, diverses variantes, 4 x 3,49 €. Il s'agit de ces assiettes, de ces grandes assiettes qui me faisaient de l'ombre. C'est pas de l'ombre. Qui me faisait de l'œil depuis un bon bout de temps. J'ai hésité longuement, tout simplement parce que il n'y avait jamais les mêmes versions qui arrivaient. Moi, je voulais une version, je voulais faire un mélange, puisque dans ces assiettes-là, enfin, dans ce service-là, il existe 4 versions. C'est-à-dire qu'on va avoir la version végétale. Alors, parfois, chez Action, lorsque j'y allais, il n'y avait pas. On a la version léopard, imprimé léopard. Celle-ci, je l'aime moins, mais ça va bien ensemble. Et si tu casses ça, je te jure, je te mets une danse, tu vas t'en souvenir. Et on a la version léopard, mais un peu plus petit, avec des palmiers. Voilà. Donc j'ai pris ces assiettes-là, et en tout, j'en ai 7. Puisqu'au départ, je n'avais trouvé que ce modèle-là. Et j'ai repris 2 de chaque, à chaque fois. Si bien que je m'en retrouve avec 7 assiettes, mais c'est pas grave. Dérouleur essuie-tout en bambou, que je ne sais point où il est, 2,69 €. Ah oui, bon d'accord, je m'en souviens, il faut que je sorte tout ce qu'il y a dans mon coffre à bricole. J'avais acheté ça parce que je cherchais un rouleau à pâtisserie en bois pour faire mes DIY, vous savez, pour étaler la pâte auto-durcissante, parce qu'à chaque fois j'utilise... une bouteille d'encre comme ça, enfin je galère, vous avez pu le voir dans mes DIY, à chaque fois je galère. Donc je voulais absolument un rouleau à pâtisserie, seulement je ne le trouvais pas, mais du coup j'étais pas dans le bon rayon. Donc j'ai eu l'idée de prendre un dérouleur en bambou, j'ai dévissé le manche pour que celui-ci me serve à aplatir ma pâte auto-durcissante. Panier rangement suspendu en plastique, 1,99 €. Ouais, oh. Il s'agit de cette boîte en plastique qui existe en 3 couleurs, gris, blanc, noir. Moi j'ai pris noir parce que c'est moins salissant. Et en fait ça se pose sur la porte de votre évier pour récolter toutes les épluchures des légumes. Donc c'est top, ça fait plus propre plutôt que de retrouver toutes les épluchures sur l'évier. Donc j'épluche mes légumes juste au-dessus de ce bac là. Très pratique. Ensuite. Ah mais ça suffit, oui. Je regrette d'avoir mis cette robe. Il va falloir que je fasse un point. Comme ça. Ensuite, pot de fleurs recyclées 40 cm, diverses variantes. Il s'agit de ce gros pot en plastique beige qui existait. C'est noir ou gris anthracite? Ouais, je crois qu'il y avait gris anthracite. Non, noir. Et peut-être d'autres couleurs. Vraiment pas cher. Hein. 5,99 €. Il est gros. Hein. Et en fait, je l'avais pris pour pouvoir mettre mon olivier que je n'ai pas. Enfin, que. J'ai un olivier petit format. Le truc, il est grand comme ça que j'ai eu chez Lidl. Et je sais qu'ils en mettaient en vente, mais beaucoup plus grand, à 15 €. Et je m'étais dit, je vais le mettre dedans. Sauf que je ne l'ai jamais trouvé. Donc, c'est un pot qui ira pour mon olivier. Il aura le temps de grandir. Pour le petit olivier, il aura le temps de grandir. On peut faire des trous en dessous. Et ça sera pour ma future maison. Je mettrai l'olivier dedans. Ensuite, pas à basse d'oro vert à eau. Ah, oh, bah oui, j'ai pris des verres à eau. Oh, je vais les chercher.
Il s'agit de ces verres qui sont vendus par 6, hein. Bon, ils sont tout simples, hein. Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ils sont tout simples. Alors, à chaque fois qu'on met la vaisselle dans le lave-vaisselle, on n'a plus de verre, on est obligé de faire tourner le lave-vaisselle. Donc c'est pour ça que j'ai repris 6 verres. 1,98€ les 6 verres de 210 ml. Ah, c'est Tondarelli caisse pliante. Ah, elle est en bas. En fait, c'est une caisse en plastique. Une fois repliée, elle est épaisse comme ça. Et je m'en sers en fait pour mettre dans ma voiture lorsque je mets mes courses. Je déplie la caisse et puis ça, bon, ça me fait une caisse qui reste dans la voiture constamment. Et qui était à 6,95€. Wild Wheel Living 16 cm, 2,44€. Diverses variantes. Il s'agit de ce gros bol là avec des panthères. Ça fait partie du service. Je voulais un grand bol comme ça pour mettre les salades pour l'été. Voilà, c'est plus présentable sur une table. Mais il est super beau, je trouve. J'ai pris Lenor Unstoppable 285 grammes, 5,58€ Sunlight. Il s'agit de ceci. Ce sont des granulés pour le linge, parfum de linge en perles, donc de Lenor. Ça sent trop bon. Moi, j'en mets dans mon petit brûleur à parfum. Mon brûleur à bougie. Dans la petite coupelle, j'ai trouvé ça sur Amazon. Dans la petite coupelle, je mets des granules comme ça. En dessous, j'ai un petit récipient avec un petit socle en bambou. Il est super beau, je trouve. Et dedans, je mets un chauffe-plat. Et ça sent super bon. Ça sent le linge frais. Et là, du coup, je les prends chez Action parce que c'est nettement moins cher. Dans le commerce, c'est à 8€ quelque chose. En plus, c'est un plus grand format. Donc, j'ai pris ça. Corbeille à papier, fil métal, 30x35, 3,99€. Il s'agit de cette corbeille-là que j'ai pas encore utilisée. Je cherchais une idée de DIY. Donc c'est pas mûrement réfléchi encore, c'est pas tout à fait défini. Donc pour l'instant, bon, ça reste comme ça et ça viendra par la suite. Plateau métal noir. Franchement, ça m'énerve. Ça va chauffer. Il s'agit de ce plateau-ci. En fait, je l'avais acheté parce que je voulais faire un système de plateau tournant vu que j'ai le plateau tournant, le coller dessus. Je l'ai posé à côté de ma plaque de cuisson. Avec les épices, etc. Pour que ça soit plus facile d'accès, ça tourne, Sauf que je ne l'ai toujours pas fait. Mais ceci dit, les épices sont dessus. Un petit plateau, donc là, toute la bordure, la structure est métallique. Et puis on a un plateau en contreplaqué noir. 6,98€. Ah, c'est vite. Et je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié un truc. Je range, mais parfois je ne sais plus où j'ai rangé. Cadre photo manguier, j'en ai pris 3. 3,99€. Je les ai trouvés super beaux. Ils font 13x18 cm, qui se présentent comme ceci. J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus grands, mais bon, ils sont super jolis. Et puis je pourrais mettre des photos sympas, de la petite déco, ou même pourquoi pas customiser. Et puis, c'est un cadre que l'on peut soit... Eh ben non, c'est un cadre qui se pose, puisque je n'ai aucune... partie qui permet d'accrocher le cadre, non, donc au pire, hein, je te goupille un petit truc avec de la colle chaude, une attache et hop, terminé, et ça ira au mur. Voilà. Ensuite, rouleau à pâtisserie de bois que je vous ai dit tout à l'heure, 3,49€, qui est rangé là. Boîte de rangement café était 9,95€. Il s'agit de deux. Il s'agit de cette boîte en bambou avec un plateau en verre, noir, brillant. Il est super joli. Et à l'intérieur, vous pouvez ranger les dosettes de café. Oh non, je viens de décailler mon vernis! Non, c'est... Oh. Saloperie de boîte. Et on peut y ranger le thé. Super sympa, j'avais pensé en reprendre une autre pour faire comme des cases tiroirs. Et puis, j'en ai pas revu. C'est pas grave, hein. Carnet, notes, paillettes, 1,99€. Là, j'en ai pris plusieurs, mais sur d'autres tickets. J'avais déjà acheté celui-ci que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Je kiffe, ils sont trop beaux. Ils existent en vert et je crois qu'il y a en rose. Peut-être que je me prendrai en rose. Et j'ai pris deux noirs pour des notes, pour les vidéos, pour plein de choses. Ensuite, plat Wild Living 16 cm. J'en ai pris 3 à 2,44€ et j'ai pris les petits bols.
Alors je vous ai pas tout ramené parce que j'ai emmené les trois variantes que j'avais. Donc végétal, toujours pareil. L'imprimé léopard. Et on a la savane. Avec le guépard, le toucan, les palmiers. Olé olé. Ensuite, magnifique mug à café. Magnifique mug à café. Magnifique mug à café, 2,38€. 1,19€ chaque, j'en ai pris deux. Magnifique mug à café. C'est magnifique, toi. Magnifique. Je lis hein, sur mon ticket. C'est magnifique mug à café. Ah, c'est la marque Magnifique. Oh, bah oui, d'accord. Magnifique. Donc, j'ai pris deux petites tasses comme ça, deux petits mugs pour pouvoir personnaliser avec ma Cricut. Ensuite, boîte rangement bois et coquillage. Il s'agit de cette boîte-ci, petite boîte, on peut y ranger les bijoux, on peut y ranger ce qu'on veut en fait. Très très sympa, elle était à 2,99€, les mesures 14,5 par 12 par 9. Assiette 20 cm, diverses variantes, Will Living, petite, 2,79€. Toujours pareil, en version végétale, savane et imprimée. J'ai pas pris les assiettes creuses parce qu'on n'utilise pas beaucoup les assiettes creuses, même pour le potage et des choses comme ça. On va utiliser des bols. Panier rond, papier lin, 8,95€. Et j'en ai pris tout. Il s'agit de ces deux paniers-ci. Donc c'est les plus grands. J'ai pris les plus grands. Il y avait aussi petit et moyen. C'est un genre de raffia. Donc ça c'est pour mettre dans mon dressing. Ensuite, trousse à stylo. Pu triangulaire. Je me suis pris une petite trousse comme ça, rose, pour mettre sur mon bureau. Parce que je vais changer mon clavier, je vais changer la souris, tout ça. Je vais prendre une autre couleur. Voilà, j'avais envie de changer. Donc, je me suis pris une petite trousse rose qui, elle, était à 1,89€. Correction papier de notes, diverses variantes. Il s'agit de ce carnet-ci que j'ai pris en rose. À spirale, ce sont des feuilles qui sont cartonnées type ardoise. Vous voyez, on écrit avec les marqueurs. Que voici, que j'ai réussi à trouver. Vous écrivez ce que vous voulez et ça s'efface. Voilà. Je connaissais le principe. Parce que j'en ai déjà un. Il coûte plus cher. On a le petit élastique qui permet de ranger le crayon et de ne pas le mettre dans un pot à crayon pour que tu cherches, Nathalie. Voilà. Très sympa. Carnet notes à paillettes. Je vous les ai montrés tout à l'heure. En noir et doré, vous vous souvenez? Boîte à bijoux bambou, 8,95€, 30 par 32. Donc j'en ai deux puisque je suis retournée en chercher une autre. Elle se présente comme ceci, c'est tout en bambou avec le dessus en verre. Et vous avez plein de compartiments pour ranger les bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues, etc. Donc dans celui-ci, j'ai rangé tout ce qui était rose gold, or. Et puis celui-ci, tout ce qui est argenté. Elles sont super sympas. C'est du bambou, elles sont toutes en bambou avec le dessus en verre. Non, c'est pas en verre ça. C'est du plastique, voilà. Le dernier article. J'espère en tout cas que ce haul action sur la déco, tout ça, machin, gna 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 gna, vous a plu. Ne manquez pas de mettre un j'aime et de me dire bah, si vous avez apprécié ce haul. Ne manquez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche juste en dessous de la vidéo. Ainsi, vous resterez informés. Vous recevrez une petite notification comme quoi ma vidéo est en ligne. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, General Jules, qui est juste ici. Je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.